Nous avons un partenariat avec Arenti qui permet à nos passagers en provenance de la métropole de desservir l'ensemble des îles, c'est-à-dire Sainte-Lucie, Saint-Barth, Saint-Martin, la Barbade, Saint-Juan, donc l'ensemble des îles des Caraïbes, qui permet donc d'avoir une correspondance parfois dans des temps assez limités, ce qui fait que par exemple pour un touriste qui veut venir à Sainte-Lucie, la meilleure offre actuellement sur le marché au départ de métropole, c'est Corsair plus Arenti. Nous nous positionnons tout d'abord comme une compagnie historique. Nous sommes depuis plus de 35 ans aux Antilles. Nous avons une clientèle fidèle qui apprécie notre qualité de service. Donc nous allons rester pendant encore de nombreuses années avec une offre, comme je vous l'ai dit, très diversifiée, à la fois des tarifs compétitifs pour ceux qui recherchent d'abord le tarif, à la fois une offre de service avec des tarifs abordable pour ceux qui souhaitent avoir du service et de la qualité. Donc nous restons là et je pense qu'avec ce positionnement, plus un réseau qui est en résonance avec l'océan Indien, l'Afrique, avec des correspondances aussi sur l'Europe, avec un partenariat que nous avons signé avec la compagnie Eglazur, que nous venons de signer avec la compagnie EasyJet qui permettra d'avoir des correspondances sur toute l'Europe. Tout ça, je pense, ce sont des atouts qui feront que Corsair sera encore pendant longtemps dans le ciel antillais.